Il était petit de corps et de taille. Écrivain, homme politique et enseignant, il aimait le débat et soutenait la polémique. Il disait les vérités interdites. Il tutoyait les grands et les intouchables. Il dénonçait les maux qui minent la société camerounaise d'aujourd'hui. C'était cela, Charles Ateba Eyene, décédé le 21 février 2014 à Yaoundé, à l'âge de 42 ans. Je dois dire au président la vérité. Les mafias et les logiques des loges, des sectes ont pris le pays en otage. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, je vous le dis. Pour réussir un coup d'État, c'était d'ailleurs ça mon postulat. Ce qu'il faut, ce n'est pas les armes, c'est l'argent. Parce qu'il y a des professionnels de la guerre qu'on appelle les mercenaires. Dès que vous avez de l'argent, eh bien... vous leur donnez de l'argent et ils font le boulot. C'est ici, au CHU, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, que Charles Ateba Eyene s'est éteint, vendredi 21 février 2014. Si la nouvelle, triste et brutale, produit les effets d'une bombe, en revanche, la polémique sur les causes réelles de son décès est très vite désamorcée par la famille. Mon oncle était malade. Il était malade, je voulais dire que c'était une infection pulmonaire, peut-être c'était une maladie cachée, parce que j'ai vécu pendant plus de 15 ans. Et pendant plus de 10 ans, mon oncle avait une toux qui ne finissait pas et faisait des examens de temps en temps. Il a été malade. Mais beaucoup frustré. Peut-être que je peux dire que ça a quand même contribué à l'affaiblir psychologiquement. Vous savez, c'était quelqu'un de très fort. Quelqu'un de très fort, très très fort, très combatif. Mais tout ça, lorsqu'on est un homme, on est attaqué, on peut ne rien dire, mais on est touché, ça l'affaiblit. Ça fait que lorsqu'une petite maladie vient, du coup, avec tout ça, vous pouvez vous effondrer facilement. Le 17 février, la situation s'est dégradée. Dans la nuit, il est rentré dans le coma. Il a fait des dialyses et... il devenait de plus en plus fatigué. Je crois que c'est lors de la dialyse du vendredi 21. Vous voyez, parce que c'était jusqu'à trois dialyses. La dialyse du vendredi 21, autour de 15 heures, qu'il a effectivement lâché. Officiellement donc, Charles Ateba Eyene est mort de suite d'une insuffisance rénale. Mais à vrai dire, ils sont nombreux. Très nombreux même qui ne croient pas à cette version. C'est certainement la raison pour laquelle, ce jeudi 27 mars 2014, ils sont tous là, femmes, hommes, enfants et vieillards, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont venus de tous les quartiers de la capitale, et même d'un peu plus loin, pour rendre un hommage mérité à celui qui incarnait encore, il y a quelques jours, l'espoir des jeunes et du petit peuple. Vous êtes le
C'est vrai, les barons du RDPC, le parti au pouvoir, au sein duquel militait Charles Ateba Eyene, affiche absent à la levée de corps. Mais qu'importe, le peuple profond, lui, est là et se fait entendre. Après une procession de près de 5 heures d'horloge, la dépouille de celui que le peuple de la rue a déjà proclamé héros national arrive enfin à la paroisse protestante Marie Gauquer de Yaoundé pour la grande veillée. Le lendemain, vendredi 28 mars 2014, la dépouille de Charles Ateba Eyene quitte Yaoundé, la capitale. Direction Bikoka, son village natal.
prendre la parole, à éviter toute parole ou tout comportement de nature à troubler les esprits. Il aimait toujours à dire, peu importe la durée de ma vie sur terre, c'est la qualité de ce que je serai qui fera de moi un grand homme. On peut être mis en valeur parce qu'on est un intellectuel. On peut être mis en valeur parce qu'on est un infirmier qui fait son travail. On peut être mis en valeur parce qu'on est un destinateur. La nation camerounaise, je vous le dis, reconnaît Charles Sylvestre Adéba et Yéné comme héros. Mais Charles, à la fin, que vaut une place de maire? Que vaut une place à l'Assemblée nationale? Que vaut une place au Sénat? Que vaut même une place au gouvernement? À côté de cette couronne de gloire que le Seigneur, que tu as servi, t'a réservé à l'occasion de tes obsèques. Samedi 29 mars 2014, il est inhumé ici, dans sa concession de Bikoka, sans médaille ni hommage officiel. Des considérations qui n'auraient d'ailleurs rien changé à la douleur d'une mère qui vient de perdre le dernier de ses 8 enfants. Depuis qu'il est mort, je pleure seulement. Qu'est-ce qui a fait mon enfant de mourir comme ça, étant petit? Tu vas être encore petit. Tous les enfants sont morts. Je vais faire comment? Dans cette famille dont il était le pilier, au lieu de sombrer dans le découragement, on préfère retenir pour la vie les valeurs positives reçues de l'illustre disparu. Papa a été un père exceptionnel pour nous parce qu'il nous a inculqué beaucoup de valeurs. C'était un modèle pour nous. Il nous disait toujours ce qu'il faut faire, il nous conseillait. L'honnêteté, la probité, être un homme de conviction, l'amour du travail bien fait. L'éducation qu'il nous a donnée, parce qu'en fait c'était la principale richesse. Il ne donnait pas de l'argent à ses enfants, et il nous apprenait à pêcher. C'était aussi quelqu'un de sincère qui ne savait pas mâcher ses mots. C'est-à-dire même au niveau de la famille, à un moment donné, lorsque nous étions petits, on le détestait d'ailleurs. C'est-à-dire lorsque, par exemple, tu commets une faute à l'école, on l'appelle, il était toujours disponible. La seule façon de trancher, c'était de t'humilier devant tes camarades. C'est-à-dire au rassemblement, il arrive avec le fouet un lundi matin, tu fesses en public. Que tu comprennes que tu es là pour des études et si tu avais d'autres intentions, que tu n'es rien. C'est d'ailleurs le mot qu'il utilisait, que tu n'es rien, sache que tu n'es rien. Il le faisait. Donc, je peux assimiler ça à une éducation par l'humiliation. Et en réalité, ça avait marché. Par l'humiliation, c'est-à-dire, il te fait voir ce que tu es exactement. Te dire que pour le moment, tu n'es rien. Et pour devenir quelqu'un, il faut que tu te mettes seulement au travail. Chaque fois que j'ai eu des moments à partager avec Charles et autres et tout, nos entretiens tournaient autour de ce que nous avions à faire. Encourager nos enfants à aller à l'école, encourager nos frères et autres et tout, à faire quelque chose dans la vie pour que chacun puisse se sentir un peu à l'aise. C'était un sentiment très fort que nous partageons ensemble. Parce que la mort ne triomphe jamais du souvenir, alors régulièrement, les proches de Charles Adéba Yéné viennent se recueillir ici, à Bikoka, où il repose désormais en paix, non loin de son épouse Suzanne Félicité Ebangoa, décédée 5 ans plus tôt. Vous citez le ciel de nos terres.
Alors, question, qui était réellement Charles Ateba Eyene? Qui était cet homme d'action courageux qui n'avait peur de rien et qui comptait beaucoup plus sur son courage que sur sa force physique? Un coup d'œil dans le rétroviseur de l'histoire et nous voici à Bikoka, son village natal, dans le département de l'Océan. C'est ici, dans cette maison familiale, aujourd'hui abandonnée, de Nkolbowo, entendez la colline des chimpanzés, un quartier du village Bikoka, que le petit Charles Ateba Eyene a vu le jour le 15 janvier 1972. Il était le 8e et dernier enfant de sa mère, elle-même deuxième épouse de feu Eyene Bala Daniel, ancien technicien des eaux et forêts. Il est né en 1972. Ateba comme ça, il tue les ébiers. Et tue les poissons. Maman ne dort pas en famille. Mon enfant ne m'a pas emmerdé. Mon enfant était brave garçon. C'est moi qui apprenais un peu à Charles à être dégourdi dans les choses du village, c'est-à-dire, je ne peux pas vous cacher qu'on allait à la pêche avec Charles dans les rivières qu'on appelle Bikoka, dans les rivières qu'on appelait Abelik, monsieur Mossoro. Et derrière le domicile de papa, la grande concession là où on a grandi, on appelait là-bas Nkolbowo. J'apprenais à mon petit frère comment on tendait les pièges. Quand il est grandi un peu comme ça, c'est ici qu'il vient chanter avec les enfants d'ici, chorale. Il fait les choses comme un homme. Comme un vrai homme, le petit Charles Ateba Eyene va connaître une scolarité sans problème. L'école publique de Bikoka, les lycées de Lolodolf, de Berthois et l'université de Yaoundé, où il obtient une licence en lettres modernes, un diplôme en inspection de la documentation et un doctorat en communication politique. En classe de quatrième, je l'ai gardé, je suis responsabilisée pour lui. En première année université, j'ai également fait le même travail. Et par la suite, il a été tellement reconnaissant. Écrivain prolifique et controversé, homme politique atypique, enseignant d'université, Charles Ateba Eyene à 42 ans aura touché à tout. À vrai dire, la vie publique de Charles Ateba Eyene n'a laissé personne indifférent. Plusieurs années après sa disparition, l'on s'interroge toujours. Charles Ateba Eyene, l'écrivain, a-t-il souvent respecté les règles de l'art en la matière? Charles Ateba Eyene, l'homme politique, a-t-il souvent été trop loin dans la dénonciation? Ou encore, Charles Ateba Eyene, l'homme public, a-t-il combattu le bon combat? Voici le regard croisé de ceux qui l'ont connu et côtoyé. Et nous commençons d'abord par Charles Ateba Eyene, l'écrivain controversé, qui se défend. La science n'est pas unique, n'est plus unique. Même les études ne sont plus uniques. Il y a une sorte de transversalité telle que aujourd'hui, vous faites une recherche en sociologie, vous êtes obligé de convoquer les théories de communication. Ça c'est entendu. Les hein. Théories, mais bien sûr, c'est connu, ça. C'est pour cela que les gens qui restent figés sur une théorie unique, ils sont hors sujet, ils ne comprennent pas. Quand tu parles souvent de cocktail, c'est-à-dire que en même temps, vous allez convoquer les théories de sociologie, d'anthropologie, etc. pour aborder, parce que
Cela explique la complexité des problématiques, des phénomènes, etc. C'est pour cela que je dis que ceux qui n'ont pas encore assimilé cet aspect des choses, je leur demande d'aller encore lire, d'aller encore faire des recherches pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Ce n'est pas facile. Il y avait notamment un débat entre Charles et une grande partie de la classe intellectuelle académique qui considérait que la démarche de Charles ne rentrait pas dans ses créneaux académiques et correspondait plutôt à celle d'un publiciste. Certains même qui ne lui étaient pas très favorables estimaient qu'il était un démagogue. Toujours est-il que ça n'a pas empêché, quelle que soit l'appréciation qu'on puisse faire, que Charles Ateba Yéné a été un producteur d'idées, un producteur de croyances, un idéologue, un animateur social. Et pour autant que l'histoire ait un sens, et particulièrement l'histoire des idées et des mentalités, ceux qui au Cameroun ou ailleurs vont travailler sur le bouillonnement des idées, sur l'engagement politique et même sur l'engagement intellectuel, ne pourront pas ignorer la figure de Charles Ateba Yéné. Parce que quoi que l'on pense de son style, quoi que l'on pense de ce que beaucoup considèrent comme ses limites, Charles Ateba Yéné était incontestablement un intellectuel, parce que les intellectuels, il y en a de différents types. Il y a des intellectuels qui sont des intellectuels chercheurs, qui partent d'une spécialisation disciplinaire précise à partir de leurs travaux. Il y a des intellectuels qui sont des intellectuels moraux, qui se préoccupent essentiellement de prendre position sur un certain nombre de problèmes. Dans une certaine mesure, Charles occupait ce créneau. Il y a des intellectuels politiques et souvent idéologiques, et on ne peut pas dire que Charles ne l'était pas. Charles était touche à tout, c'était l'intellectuel au sens bernanosien du terme, c'est-à-dire qu'il s'exprimait sur les sujets de société, et parfois j'ai trouvé, et je lui ai dit, qu'il ne prenait pas assez de recul et plutôt apportait une victoire factice et superficielle de la passion et de l'ignorance, alors que la raison demandait du recul, de voir, de faire du discernement. Bien que controversé, l'écrivain Charles Ateba Yéné, qui se prenait parfois pour le censeur de la nation, a dénoncé dans un de ses ouvrages ce qu'il a appelé la République des loges, des sectes et des réseaux mafieux. J'ai deux devoirs. Le devoir d'indignation, à savoir pourquoi le Cameroun qui a tout pour émerger, pour être la locomotive en Afrique centrale et en Afrique stagne. Pourquoi nous tournons en rond? Pourquoi il n'y a pas un taux de croissance à deux chiffres? L'autre devoir, c'est que moi, je dois dire au président la vérité. J'ai dit au président, monsieur le président, vous vous attaquez à la corruption, vous vous attaquez au détournement, vous vous attaquez... Mais il y a un autre volet important, c'est que les mafias et les logiques des loges, des sectes, ont pris le pays en otage. La moralité, c'est que les gens des loges, les fratères, et qui ont installé l'exclusion et le tribalisme, eh bien, ne privilégient que les leurs. Parce que la logique, par exemple, des francs-maçons, dans leur charte, elle est bien décrite dans mon ouvrage. Eh bien, cette logique-là, c'est qu'on privilégie le frère d'abord. Maintenant, quelles que soient ses compétences et ses talents. Et c'est pour cela le vrai problème qui est posé dans le livre. Nous ne remettons pas en cause, nous ne condamnons pas les loges, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc., la scientologie. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais nous observons une grosse différence entre les gens des loges, par exemple en Occident. Vous savez que quand vous parlez de la Sorbonne, la plupart des grandes écoles, toutes les grandes réalisations, ce sont les maçons. Quand les symboles maçonniques, c'est la truelle, les guerres, etc. On les connaît. Alors, ça veut dire que ce sont des bâtisseurs. Et ils s'en vantent d'être des bâtisseurs. Il ne se cache pas. Il dit, c'est nous qui avons construit ceci, c'est nous qui avons fait cela. Je vais vous dire que la plupart des lois dans le monde, abolition de l'esclavage, abolition de ci, c'est eux. Invention de l'école, laïcité, etc. Très bien. Alors,
Ils travaillaient d'abord dans la loge, c'est-à-dire ils avaient des ateliers, des rencontres entre eux, prenaient des décisions et venaient au Parlement. C'était important pour la société. Ils ont œuvré pour le progrès. Mais quand vous prenez cette affaire de l'Occident à chez nous, vous rentrez dans la sorcellerie. Depuis que j'ai publié mon livre, je reçois des félicitations des vrais francs-maçons qui me disent « Ateba, merci d'avoir fait ce travail ». Parce que même dans nos propres groupes, dans nos propres rangs, on avait l'impression que c'était devenu du tout venant, qu'on avait infiltré, etc. Ce n'est plus élitiste. Quand vous allez en France, la grande loge de France, c'est écrit « La franc-maçonnerie n'est pas pour les cancres ». C'est écrit comme ça. Mais au Cameroun, quand quelqu'un te dit qu'il est franc-maçon, vous voyez un malade mental en face de vous. Si je prends mon cas personnel, mais les gars disent « Ateba, tu es fort ». Tu es intelligent, tu es formé, mais un, on ne te maîtrise pas. Tu es où? Tu n'es pas avec nous. C'est ça qu'on te dit. Je ne peux pas vous citer le nombre de personnes qui me le disent. J'aurais bien souhaité quand même. Mais je ne cite pas, mais c'est la réalité. Tous ceux qui nous écoutent savent que c'est comme ça. Il y a une logique au Cameroun qui dit que la confiance passe avant le talent. C'est-à-dire que vous pouvez être très talentueux, sortir, je ne sais pas, de n'importe quelle école, de, je ne sais pas, du monde. Vous êtes brillant, mais on dit, on préfère quelqu'un qu'on contrôle. Alors, le contrôle ici peut être sexuel, le contrôle peut être idéologique, le contrôle... Mais c'est ça qui fait aujourd'hui que le talent dans notre pays, vous avez comme l'impression que ce n'est pas ça la priorité. Vous avez comme l'impression que c'est un crime d'être talentueux. Vous avez comme l'impression qu'on s'en fout des talents. Moi, j'ai la chance, je le répète, d'être dans le think tank des Chinois. Je sais comment les Chinois font pour s'imposer dans le monde. On privilégie le mérite, le talent, la compétence. Quand vous êtes compétent au Cameroun, vous pouvez l'être aux États-Unis, vous pouvez l'être, je ne sais pas, en Chine, vous pouvez l'être en France, etc. Donc il faut plutôt privilégier la compétence. Je dis, mon frère, vous ne pouvez pas savoir le gâchis des ressources humaines au Cameroun. Le gâchis des ressources humaines est tel que les vraies valeurs, parfois, sont mises entre parenthèses, sont marginalisées pour la simple raison que chez nous, ceux qui rentrent dans les loges, c'est généralement ceux qui se reconnaissent quelques faiblesses, quelques limites par rapport au travail personnel qu'ils auraient fait à l'école, dans l'apprentissage d'un métier. Et puis maintenant, ils vont là-bas comme pour chercher des béquilles, des strapontins pour bondir. Or, quand vous êtes conscient, vous êtes sûr de votre valeur, de votre formation volontaire, il vous est très difficile d'accepter d'autres logiques que l'effort, la compétence, etc. C'est là où la plupart des ressources humaines au Cameroun, et même en Afrique, le problème que je pose peut même être africain, là où la plupart des gars qui brillants, des gars bien formés, se cassent la gueule. Parce qu'ils sont un peu fiers, ils sont sûrs de leur capacité, de leur potentialité. Or, la logique des loges, la logique des sectes que j'ai étudiées, j'ai passé une année et demie à lire la littérature ésotérique. J'ai lu environ 700 ouvrages sur la Rose-Croix, environ 1000 ouvrages sur la franc-maçonnerie. Je sais de quoi il s'agit. Je connais leur charte, je connais leur devise. On ne veut pas les bras cassés là-bas. Mais malheureusement, chez nous, vous avez comme l'impression que, à la réalité, on n'aime pas les gens fiers d'eux. Parce que ils ne sont pas prêts à faire allégeance tout le temps au grand maître. Ils ne sont pas prêts à accepter un certain nombre de concessions. Voilà d'où vient et d'où repose le conflit. Et ce conflit-là fait aujourd'hui que la panique que vous voyez là, je vais vous dire deux choses. Vous connaissez la devise de l'Opus Dei? Dites-la moi. Obéir comme un cadavre. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans le livre des témoignages des anciens membres de ces loges qui en sont sortis et qui vous disent ce que c'est, ce qu'ils ont fait pendant 25 ans, pendant 27 ans, et ils arrivent à la conclusion que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ces gars-là rentrent dans les loges pas pour apprendre quoi que ce soit. Les gars sont tellement opportunistes que on leur dit, c'est pour avoir ceci, pour avoir tel poste, etc., voici ce qu'il faut faire. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme qui est donc lié à la logique des loges. Le clientélisme peut être qu'on vous donne de l'argent, qu'on vous propose un poste,
qu'on vous propose d'entrer dans une loge. Donc le clientélisme... En échange de quelque chose. C'est de ça qu'il est question. On vous dit, si vous voulez tel poste, voici ce qu'il y a à faire. Vous savez que chez nous, c'est souvent l'alternance entre les deux principales loges, la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, selon que le secrétaire général à la présidence se réclame d'une obédience. Vous aurez plus. Pourquoi? Parce que c'est la cooptation. C'est la cooptation. C'est-à-dire, plus vous avez des adeptes, mieux vous êtes influent, mieux vous évoluez. C'est comme ça que ça se passe. On ne sera jamais émergent. Je le dis avec conviction. Si on continue à privilégier l'appartenance aux loges, même si on est incompétent, si on continue à privilégier la notion des réseaux, etc., c'est pile ou face. On ne sera pas émergent à l'horizon 2035 si on ne fait pas ce que les autres nations ont fait, à savoir chercher les compétences, aller explorer du côté de la diaspora. C'est la diaspora chinoise qui développe la Chine. Aller explorer du côté des compétences, etc. Éviter les cumuls de fonctions. Il y a dans le Cameroun des gens qui ont 4 fonctions importantes. Quel sera leur rendement? Nous sommes là en management. Vous avez 4 fonctions. Ministre, directeur général de ceci, président du conseil d'administration de ceci, votre rendement est nul. L'aile la plus forte du Cameroun, du RDPC, c'est les maçons. Tout le monde le sait. Vous en avez appris les maçons? Bien sûr, monsieur. C'est eux qui sont au pouvoir au Cameroun en ce moment. Et c'est eux qui pilotent les choses. Le problème qui nous choque, nous qui ne sommes pas dans les lots, c'est que, après avoir décidé là-bas, ça n'a pas un impact positif sur nous. Les Bayam Salam veulent voir leur niveau de vie augmenter, le petit peuple, les taximans, je ne sais pas quoi. Si vous travaillez là-bas, si vous avez vraiment le pouvoir, vous l'exercez dans le sens du développement, on va vous laisser tranquille. Mais la situation aujourd'hui est que vous êtes dangereux pour le petit peuple, pour les masses, parce qu'il n'y a pas de résultat. Un pays où les masses sont pauvres est un pays qui est appelé à connaître l'implosion. Je trouvais qu'il prenait beaucoup de risques. Il prenait beaucoup de risques en abordant certains sujets, mais c'était quelqu'un, je ne vais pas dire têtu, mais c'est quelqu'un qui avait sa conviction. C'est-à-dire, lorsqu'il sent quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Vous lui donnez des conseils peut-être pour atténuer un peu la fougue, mais il allait toujours jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un qui, certes, n'avait pas beaucoup d'amis, mais il avait aussi des personnes qui le soutenaient. Les personnes qui le soutenaient, c'était le bas peuple, c'était la population, et c'est là où il puisait son énergie. Le dernier best qui a beaucoup dérangé le Cameroun, c'est la dictature des loges, des sectes et du magicoanal. Lorsque Charles écrit cet ouvrage qui a beaucoup dérangé et qui dérange encore à la fois les hommes d'affaires, les intellectuels, les hommes politiques, personne n'a levé le doigt plutôt que de dire que Charles le rentre pour dire que moi j'occupe tel poste, Charles ment, je ne suis pas franc-maçon. Moi j'occupe tel poste, Charles ment, je ne suis pas rosicrucien. Ou encore moi j'occupe tel poste, ce que Charles dit, il a fabule, je ne suis pas homosexuel. Parce qu'il soutient que le Cameroun, malgré tout, les collaborateurs, les hommes à qui le président Paul Biya fait confiance, sont essentiellement tournés vers des réseaux. Et parmi ces réseaux, il y a des réseaux religieux, les catholiques, les protestants. Mais ils montrent aussi que les plus grands réseaux qui font leur dictature au niveau du corps social, de la haute administration, ce sont les francs-maçons et les rosicruciens. Donc quand il écrit « Le Cameroun sur la dictature de loge », il ne critique pas la franc-maçonnerie. Charles avait beaucoup de respect, comme moi, pour la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Mais nous estimions que ce n'était pas notre affaire, que c'était une affaire coloniale, ou du moins, c'était une affaire des personnes qui ne recherchaient que le pouvoir. Et dans un diagnostic expert, regardez tous ceux qui sont en prison aujourd'hui. Quand ils ne sont pas homosexuels, ils sont maçons. Regardez ceux qui veulent aujourd'hui renverser Paul Biya. Quand ils ne sont pas homosexuels, ils sont maçons. Est-ce que c'est ça la mission des loges? Voyez que là, je peux légitimement être son porte-parole
et vous dire que la vision de Charles n'était pas anti-loge, ni anti-religieuse, mais c'était une espèce de transformation qui voulait qu'elle s'opère à l'intérieur du parti, parce que dans cet ouvrage, il contestait que pour être promu, même, paraît-il, à la présidence de la République, à dire au secrétariat général, il n'y a que des loges là-bas. Je vous cite Charles. Au premier ministère, il n'y a que des loges. Dans les universités, il n'y a que des loges. Les directeurs généraux, il n'y a que des loges. Alors, est-ce que quelqu'un a levé le petit doigt pour dire que est-ce que ce qu'il dit là est faux? On a étouffé ça et malheureusement, on a dit qu'il est un emmerdeur. Il n'était pas un emmerdeur. Il dérangeait les mauvais esprits. Il prenait ses convictions pour une vérité. Les convictions ne sont pas une vérité, monsieur. Les convictions sont une base philosophique à partir de laquelle on participe à la construction du temple global de la société en prenant la diversité de tout le monde. Si vous prenez le mot de Saint-Exupéry, qui le met d'ailleurs cité, « Frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Alors sur ces questions-là, Charles n'a pas fait preuve de beaucoup de tolérance vis-à-vis de ceux qui ne pensaient pas comme lui et globalisait les choses qui sont très distinctes et différentes, parfois d'une façon océanique. Il était un peu proliforme. Hein. Son combat sur le plan strictement générationnel était utile parce qu'il a montré que nous avons une génération éveillée qui n'a pas d'une docilité moutonnière et qui est capable d'exprimer un point de vue pour interpeller les aînés. De ce point de vue, Charles a plus que rempli son rôle messianique. Il avait, parce qu'il allait vite, c'était un turbo, essence super d'ailleurs, pas diesel, parce que Charles allait à peut-être même au-delà de la vitesse du son par rapport à sa génération au Cameroun. Il n'a donc pas eu le temps, pour certains sujets, d'être bien, bien précis comme l'horlogerie suisse et s'est exprimé parfois précipitamment sur des sujets sur lesquels je crois que d'abord la vérité ne lui donnera pas raison et que l'histoire ne lui donnera pas raison. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre la République et la religion et que quand vous voulez faire appel à la religion pour gérer la République, vous vous trompez. Parce que la République doit être laïque et sociale, et que les vérités de la République sont fondées sur la raison, alors que la religion, c'est le champ des passions, le champ de la foi, du dogme. Donc je crois que Charles n'a pas eu le temps de mener jusqu'au bout ce travail de polissement de sa pierre qu'il était pour devenir une pierre bien polie et qui n'a pas les aspérités de la passion humaine. C'est le temps que Dieu lui a donné. D'autres poursuivront ce chemin, mais il a été un éclaireur. Il a été un éclaireur parce qu'il a pris soin de lui de prendre la parole, parfois sans autorisation, ce qui est légitime, pour exprimer un point de vue, une opinion, qu'elle soit bonne ou pas bonne. C'est ça qu'on appelle le courage en politique. Et c'était un homme politique courageux, téméraire, et qui se trompait, mais avait la conviction de défendre l'intérêt de son pays et de son peuple. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour sa mémoire de ce point de vue. L'homme de la rue prend facilement pour héros ce qu'il veut, c'est-à-dire toutes les fois où vous allez flatter l'homme de la rue dans son imaginaire, dans son minimalisme, vous allez devenir un héros. C'est-à-dire quoi? Atéba Yéné disait que, en réalité, quand on ne réussit pas, c'est parce qu'on n'est pas passé par les réseaux. C'est ce qu'il dit. Donc, ça conforte les gens, l'homme de la rue, les pauvres, dans l'idée qu'en réalité, s'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'il y a un système inégalitaire. Et donc, ça favorise quelque part un regard sur soi qui est un regard complaisant. Parce que, en fait, on n'est pas responsable de ce que l'on vit, c'est toujours les autres. L'homme de la rue se satisfait qu'on lui dise qu'il ne faut pas qu'il combatte pour lui, parce qu'il y en a d'autres dont c'est la responsabilité. Quand on parle comme ça, on est facilement un héros, voire une héroïne. Je pense que l'homme de la rue est populiste, et quand on est populiste, on est toujours un héros. Mais ce n'est pas forcément une qualité. Et je ne vous souhaite pas d'être un héros pour le peuple, parce que le jour où vous n'en êtes plus un, vous devenez le diable. Je ne suis pas démagogue. Je ne dis pas que le système BIA était à défendre. Je dis que quand on est membre du RDPC, on ne peut pas passer son temps à fustiger son propre parti.
et que ça ne fragilise pas le parti lui-même en tant que tel. Ça vous fragilise, vous. Parce que ça fait que vous êtes exposé en permanence et il n'y a que le peuple, entre guillemets. Mais ce peuple-là, comme je vous dis, on ne peut pas lui faire confiance. Aujourd'hui, il va applaudir, il va vous mettre en haut. Si vous êtes en bas, c'est lui qui vous marche sur vous. Donc, je n'ai pas la lecture que vous avez, si vous voulez, de Atéba Yéné. Parce que peut-être je suis objective. Les héros n'existent pas parce qu'ils parlent à la télé. Les héros n'existent pas parce qu'ils fustigent les autres. Les héros existent parce qu'ils réalisent des choses et qu'ils proposent des alternatives concrètes. Malheureusement, ces 25 dernières années au Cameroun, vous devenez vite un héros parce que vous dites « Bia must go ». Mais « Bia must go », ce n'est pas un programme. Et je peux reprocher à Atéba Yéné et peut-être à des gens comme moi d'avoir été minimaliste dans l'éveil de la conscience citoyenne des Camerounais, en les enfermant dans des schémas. Bertolt Brecht disait « On ne choisit pas son peuple, mais on peut le dissoudre par décret ». Donc je dissolverai le peuple camerounais sans aucun remords. Le fait que Charles Atéba Yéné, que beaucoup de gens faisant partie de certains milieux intellectuels, notamment universitaires, affectaient de mépriser, a eu un hommage qu'aucun d'entre nous, faisant partie de ces sphères, ne sommes sûrs d'avoir. Ça signifiait tout simplement que, quels que soient les défauts qu'on pouvait reprocher au style de Charles, il entraînait également beaucoup parce qu'il disait des choses que les gens sentaient. Et il ne faut pas penser d'ailleurs que c'était simplement des Camerounais, des classes modestes. Il y a également des gens faisant partie de l'establishment qui se sentaient entraînés par ce que Charles Atéba disait. Je me rappelle un magistrat occupant des fonctions relativement importantes qui était allé jusqu'au village de Charles Atéba Yéné pour son inhumation et qui me disait qu'effectivement, lui-même avait pu vivre dans sa carrière et dans son expérience un certain nombre de maux que Charles dénonçait. Vous savez, ceux de ces intellectuels qui affectaient de snober Charles Atéba Yéné, eux, quelle que soit la préciosité de leur position, se sont souvent défilés quand il s'est agi de dire les vérités de fond du Cameroun. Ceux qui n'étaient pas là, ils étaient gênés. Très bien, ils sont restés dans leur... Ils se sont enfermés dans leur distance, dans leur périphérie. Mais l'histoire s'est faite avec ceux qui étaient là. Très peu de Camerounais ont eu avec enthousiasme et spontanéité et d'une façon populaire les obsèques que Charles Atéba Yéné a eues. Maintenant que nous vivons à l'ère des médias, dans un siècle, on verra un jeune homme anonyme qui n'a pas eu tout ce qu'il aurait pu avoir dans la vie publique et qui a été enterré comme un héros national. Donc je ne demande pas un autre témoignage. Quant à ces conservateurs ou ceux qui se réjouissent de ne pas entendre la voix de la différence, eh bien, ils luttent contre eux-mêmes, c'est-à-dire l'obscurantisme. Homme de conviction et de défis, Charles Atéba Yéné a souvent posé un regard critique, non seulement sur le fonctionnement de son propre parti, le RDPC au pouvoir, mais aussi et surtout sur l'alternance au Cameroun. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, je vous le dis. L'alternance au Cameroun, nous voulons contrôler. Il faut que les masses contrôlent l'alternance. Que ce ne soit pas une affaire des gens en sombrero. C'est-à-dire que ce ne soit pas un hold-up. Parce que si c'est un hold-up, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que le peuple, le modérat, le mouvement pour le contrôle, le peuple à la base doit contrôler. Qui vient? Est-ce qu'on le connaît? Quelles sont ses idées? Quelles sont ses orientations spirituelles? Ce n'est que comme ça que le peuple de conjurer. Très bien, peut contrôler l'alternance pour que le Cameroun évolue. Je termine en disant que
les loges, les sectes, les réseaux sont un frein tel que pratiqué au Cameroun pour le décollage du Cameroun. Mon rêve dans mon pays, que j'aime beaucoup, c'est d'être quelqu'un d'utile, première chose, quelqu'un d'écouté. Je voudrais qu'à la fin, vous savez, je suis venu ici avec mes enfants, je voudrais qu'à la fin, mes enfants sachent que les jeunes, ma génération, ce que ces gens sentent que j'ai participé au combat qui a permis au Cameroun de décoller. Moi, je travaille pour le Cameroun de demain. Je travaille pour un Cameroun fort, pour un Cameroun digne. C'était un homme amer. Mais amer vis-à-vis de qui? Des conservateurs, des menteurs, des voleurs, des gens qui ne disent pas la vérité au président, des gens qui ne sont là que pour détruire l'action du président, des gens qui entretiennent beaucoup plus les femmes, les maîtresses, les coquins et les cocus, ah, plutôt que de faire leur travail. Donc à un moment donné, il fallut avoir un Charles Atebayéné dans le parti pour que ce parti soit crédible. Donc Charles incarnait l'espoir d'un parti qui va se transformer avec des rénovateurs, des jeunes qui ont consacré toute leur vie au sein du parti. N'oubliez pas que, je le répète, il était biaïste. Voilà un jeune militant qui croit au parti, qui croit aux valeurs du parti et qui croit qu'effectivement, à travers le militantisme, on peut être promu aussi. Parce qu'on milite, parce qu'on est engagé, on veut occuper aussi certaines fonctions pour atteindre des objectifs de transformation et d'acteur de la vie publique. Parce que vous savez, un parti politique, par définition, se fait en termes idéologiques. C'est-à-dire, c'est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Charles le savait. Il savait que nous étions là pour garder le pouvoir à côté d'un homme comme Paul Biya. Il a travaillé pour le parti. Il a mis à la disposition des militants un instrument de compréhension des statuts du parti. Regardez ailleurs, ce sont des savants comme les Pelé qui interprètent les textes de l'ONU, article par article. Personne parmi nous n'a eu le réflexe de faire savant Charles. Deuxième publication forte, voyez qu'il écrit « Le RDPC, hier, aujourd'hui et demain ». Alors vous voyez que l'insertion, la préoccupation majeure du militant Charles Atebayéné, du biaïste Charles Atebayéné, était l'imprégnation à la fois pour les jeunes, pour les vieux, pour les militants en général, de l'idéologie du parti. Charles vulgarisait le fait que on ne pouvait pas être du RDPC et être contre Paul Biya. Tout simplement parce que quand Paul Biya arrive difficilement au pouvoir, il met en place le RDPC à Bamenda pour se doter d'un appareil qui va l'aider à atteindre ses objectifs de rigueur et de moralisation. Donc il fallait autour de lui des acteurs politiques engagés, pas des courtisans ou des menteurs ou des voleurs, comme on voit beaucoup aujourd'hui en prison, ou des fémans, ou des hommes d'affaires, parce qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires sont devenus des militants du RDPC, et les militants du RDPC sont devenus des hommes d'affaires. Vous voyez pourquoi il y a un désordre dans le parti. Donc Charles était un peu une espèce de sentinelle idéologique. Quand il écrit le RDPC, hier, aujourd'hui, demain, il se pose déjà la question de savoir que deviendra ce parti si on banalise le contenu de son premier livre, Le Guide du Militant. Et Charles, donc, avec le temps, il réalise qu'il est un bon militant. Il réalise qu'il est instruit. Il réalise qu'il est biaïste. Mais Charles n'a pas de promotion. Il était aigri. Il était aigri. Vous savez, chez les Français, lorsqu'on dit que vous êtes aigri, ça veut dire que le système est négatif. Parce que une femme aigrie, c'est une femme qui n'est pas bien entretenue par son mari. Un homme politique engagé qui est aigri, c'est un homme politique qui est victime des injustices de son parti. On est aigri parce qu'on a mal. Vous savez, en Afrique, quand on vous traite d'aigri, certains pensent que c'est une injure, mais c'est un compliment. L'opposé d'aigri, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui. Donc à un moment donné, comme beaucoup de militants, ils n'étaient plus épanouis, jusqu'au jour où effectivement, le président a fait appel à nous, au comité central. Mais ça ne suffisait pas, ses livres. Puisque quand il écrit donc, le Cameroun, les stratégies de coup d'État et l'enrichissement comme logique de coup d'État au Cameroun. Allez lire cet ouvrage.
cet ouvrage est un best. Tout ce qui est arrivé, l'opération Épervier, le cumul des fonds, et avec ce désordre que l'on voit aujourd'hui, avec ce que Kavayégué appelle le Boko Haram camerounais, Charles l'a écrit. Parce qu'il se posait un jour la question de savoir, mais qu'est-ce que ces gens qui volent au nom du parti, qui volent au nom du soutien au président de la République font avec l'argent? Il conclut dans cette logique de stratégie de coup d'État, il démontre tout simplement que ce sont des gens qui veulent renverser le président et qui veulent le pouvoir. Un visionnaire. Charles a marqué son époque. S'il est vrai que Charles Atébayéné a, à ce point, marqué son époque, c'est sans doute parce qu'il a su tenir jusqu'au bout son rôle de veilleur social. Une posture qui l'a amené plusieurs fois à dénoncer et à condamner la situation sociopolitique du Cameroun d'aujourd'hui, dominée, selon lui, par le pouvoir de l'argent. J'ai dit en 2006 que l'accumulation de l'élite au Cameroun avait des logiques de coup d'État. Où en sommes-nous? C'est à vous que je pose. Mais où en sommes-nous? C'est bien sûr. Quand vous regardez comment est-ce que les gens se sont mis à s'enrichir dans notre pays, mais on ne fait pas l'amour avec l'argent. C'est-à-dire que la question c'est pourquoi vouloir avoir tant d'argent? C'est parce que les gens avaient fait des simulations en disant qu'il nous faut beaucoup d'argent parce qu'en 2011, le président de la République ne sera plus candidat, il sera vieux et c'est nous qui devrions nous imposer par l'argent. Parce qu'au préalable, on s'est arrangé à affaiblir les populations, les masses qui sont extrêmement pauvres. Quand on va venir avec de l'argent, on va, au lieu de présenter les projets de société, au lieu de présenter les orientations pour que le pays, on va distribuer de l'argent aux pauvres, aux gens qu'on a appauvris, si vous voulez, et ils vont nous suivre. Donc, cette façon de faire est pire qu'un coup d'État. Parce que, en réalité, pour gagner un coup d'État, je vous ai souvent parlé d'un auteur qui s'appelle Curcio Malaparte. Curcio Malaparte écrit un livre très intéressant, Technique de coup d'État. Il dit pour réussir un coup d'État, c'était d'ailleurs ça mon postulat. Ce qu'il faut, ce n'est pas les armes, c'est l'argent. Parce qu'il y a des professionnels de la guerre qu'on appelle les mercenaires. Dès que vous avez de l'argent, eh bien, vous leur donnez de l'argent et ils font le boulot. C'est pour cela que l'argent est dangereux. Et la circulation de l'argent dans un pays est dangereuse. Les pays occidentaux ont compris cela et personne ne marche avec de l'argent. Vous savez que l'argent a été transformé en argent maïtique, en argent... Pourquoi? Parce qu'on ne contrôle pas l'argent qui circule, qui n'est pas dans les banques. C'est l'argent généralement des cartels, des trafiquants de drogue, des trafiquants de ceci, de cela. Il faut contrôler la circulation de l'argent dans un pays. Dieu n'aime pas tout ce qui est vicieux. Ces gens n'ont fonctionné qu'avec le vice. Et puis maintenant, Dieu a voulu que le président Biya soit en jambe après 2011. Parce que les gars, c'était ça leur échéancier. C'est-à-dire qu'en 2011, ils étaient sûrs que le président Biya allait être un rabataire et c'est eux qui allaient commander avec leur argent. Mais Dieu merci, le fait pour le président Biya d'être en jambes a fait que ces gars-là soient vraiment coincés. C'est le mot, coincés. On dit, mais justifiez ceci. Et on se rend compte à l'analyse que tout ce qu'ils faisaient ne visait que à promouvoir eux-mêmes, à imposer leur logique et leur pratique. Et aujourd'hui, ils sont aux abois, au niveau où nous sommes, au niveau où le Cameroun se trouve. Il y a un conflit entre les logiques du président et les pratiques sur le terrain. Et mais pourquoi tous les grands projets du président stagnent? Pourquoi? Parce que justement, les logiques des loges et des réseaux, etc., sont contre ces logiques-là. C'est pour cela que je parlais du complot, de la conspiration. Mais d'où sort-il que chaque fois que le président donne une ligne directrice, les gens vont ailleurs? Il a démantelé le G11. Et je crois, et mon livre l'invite
à démanteler également la logique des réseaux, la logique des loges dans notre société, parce que cette logique ne lui permet pas, lui, le président Biya, d'avoir des résultats à la fin. Vous savez, quand j'écris ce livre, je l'écris aussi comme un politique, pour montrer au président qu'en dehors des autres aspects du combat, la lutte contre la corruption, etc., il y a également l'emprise des réseaux, l'emprise des loges dans le système camerounais, et c'est contre toute évolution. Ceux qui estiment que Charles dérangeait, oui, dérangeait les tenants de l'école de l'inertie, ceux qui ne veulent pas entendre la différence dans leurs oreilles, et de ce point de vue, il a rempli largement son rôle tribunicien pour Cessera. Une des plus grandes voix de sa génération, l'histoire retiendra qu'il a eu le courage de dire des choses quand il pensait que c'était juste. Et de ce point de vue, c'était tout sauf un lâche. Parce que la définition de la lâcheté, c'est de se taire quand il faut parler et quand il faut interpeller les esprits. C'était une sentinelle de son point de vue. Mais il n'a peut-être pas mûri suffisamment pour avoir toutes les armes d'une sentinelle, le discernement et le recul. Parce qu'une sentinelle n'est pas une force brute. Globalement, même si parfois je trouvais que sa fougue juvénile amenait parfois à ignorer les règles des disciplines, parce qu'il n'y a pas un mouvement sans discipline, mais globalement, sur le plan de positionnement, il était dans le même courant que le mien. Donc c'était quelqu'un qui était globalement progressiste, un peu conservateur, contrairement à ce que ses livres laissent entendre, c'est-à-dire que sur les questions de société que doit traiter aussi un parti politique, il avait plutôt des positions qui ne reflétaient pas beaucoup de vertus. Mais sur le plan global des institutions, c'était un moderniste et il voulait qu'on mette l'efficacité au service de l'action, refuser la flagonnerie, qui est l'inertie qui fait souvent obstacle. Donc globalement, au sein du RDPC, Charles restera dans le côté des modernistes et des progressistes, ceux qui ont voulu que le parti s'adapte à son temps, fasse le mouvement et surtout qu'il soit au service de la construction du bien-être social, qui est l'objectif principal. C'était un biaïste et était souvent contrarié par le fait que bon, certains conservateurs avaient encerclé le président. Analyse que je partageais et que je partage avec lui dans ce combat dont je trouve qu'il est parti trop tôt. Sur l'homme politique, on pourrait dire que le bilan est mitigé, parce que Charles Atéveyéné s'est fortement engagé et il s'est fortement engagé au sein du principal parti dominant, du parti proche du pouvoir, comme dit le président Paul Biya, sans nécessairement avoir les rétributions de ce militantisme, parce que l'engagement politique n'est pas simplement un engagement autour d'un certain nombre de fins et de valeurs. Les militants s'engagent aussi pour recevoir des rétributions. Ces rétributions, il ne me semble pas que Charles Atéba et Yéné ait eu des rétributions à la hauteur de son engagement. Je ne sais pas s'il était aigri, il était de toutes les manières en colère, parce qu'il estimait injuste de ne pas être récompensé, alors qu'il avait très souvent pris position en faveur de la ligne politique du RDPC et en faveur de son leader, de son champion, le président Biya. Et il estimait que beaucoup d'autres qui ne s'étaient pas distingués de cette manière, eux avaient été récompensés, ce qui l'incitait à croire que c'est le facteur des loges initiatiques en particulier qui était intervenu. Ce qui n'est pas nécessairement sans sens, contrairement à ce que veulent faire croire certains. On ne peut pas perdre de vue l'importance de ces réseaux, notamment des réseaux initiatiques dans la structuration des élites de pouvoir chez nous et des milieux d'influence. Il a dénoncé la tendance à l'indiscipline, il a dénoncé la généralisation de l'esprit délinquant en disant parfois, hein, de manière emphatique, que le Cameroun était devenu une mafia. Il a dénoncé certains phénomènes d'influence avec leur corollaire d'attitudes immorales, notamment ce qu'il considérait comme l'emprise des loges initiatiques sur les cercles dirigeants camerounais. Et comme c'était ce qu'on appelle, de manière plus ou moins péjorative, une grande gueule pour ceux qui n'aiment pas les gens qui s'expriment, alors on ne voyait pas d'un bon oeil ce qu'il a pu dire. Il était également dans le style de Charles Atéveyéné d'attaquer directement, sans fioriture. Et pour ces raisons, beaucoup considéraient effectivement qu'il était allé
trop loin. Mais jusqu'où va-t-on? Très loin. Il n'était pas très apprécié au sein du RDPC. Et lui-même n'appréciait pas tellement les pontes du RDPC parce qu'il ne se gênait pas pour fustiger ce qu'il appelle leur cas et il le faisait en public. Ensuite, il allait très très loin dans la dénonciation, c'est-à-dire en parlant de... Comment vous appeliez ça, ces trucs? Les sectes magico-anales. Bon, quand vous insultez comme ça vos propres camarades, c'est difficile que ceux-ci prennent de la hauteur et aient un peu de compassion. Déjà, même quand on n'insulte pas, vous savez qu'il y a des gens qui sont importants dans leur vie, dans l'histoire, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Au sein du RDPC, c'est comme la société camerounaise, hein, on donne à ceux qui ont donné, même si ce qu'ils ont donné, c'est quelque part ce qu'ils ont volé. Donc je crois que c'est ça. C'est leur contentieux interne au sein du RDPC qui fait que, bon, il y a l'indifférence totale, comme il y a eu l'indifférence pendant son deuil. Au bout du compte, et au regard de son terrestre parcours, peut-on dire, plusieurs années après sa disparition, que Charles Ateba Yéné a combattu le bon combat? Vous savez que l'appréciation des trajectoires est extrêmement complexe. Elle se fait selon les positions où on se trouve. Mais si on se place du point de vue de l'effort de marquer son temps, de l'effort de laisser une trace, de l'effort de dire ce qu'on pense, de l'effort de soulever des questions que d'autres veulent taire, incontestablement, Charles Ateba Yéné aura combattu le bon combat. Il a combattu en faveur d'un positionnement durable des intellectuels dans le champ public. Il a été un éducateur populaire à sa manière et c'est très important qu'il y ait des formateurs d'opinion. Il a été aussi un homme qui, dans une certaine mesure, a fait preuve de beaucoup de courage parce que beaucoup d'autres qui le critiquent n'en pensent pas moins, mais sont incapables de dire effectivement publiquement ce qu'ils pensent. De ce point de vue, Charles Ateba Yéné aura combattu le bon combat. Son combat n'était pas clair ni perceptible à mes yeux. Est-ce qu'il combattait l'état et la prévarication du système BIA? Est-ce qu'il combattait pour un clan? Parce que sa trajectoire politique elle-même n'est pas très claire. C'est-à-dire que, pour moi, dans sa trajectoire, on ne voit pas clairement que c'était un progressiste. Bon, est-ce qu'il était démocrate? Je ne pense pas. Il fustigeait un peu trop les autres et de façon extrêmement dogmatique pour qu'il soit démocrate ou même tolérant. Quand il condamnait ce qu'il croyait être les pratiques des sectes maléfiques, il allait un peu fort. C'était un discours extrêmement religieux, prescriptif et moralisateur. Est-ce que ce genre de discours aide? Je ne le pense pas. Je pense que ça n'aide pas tellement à la tolérance. La preuve, c'est qu'autour de lui, il avait fini par fabriquer toute une opinion mécanique qui faisait que, comme je suis en train de le critiquer, là, demain, si vous sortez ça, on va dire qu'on a dû me payer. Donc, il a favorisé ce que j'appelle le sectarisme et le manichéisme dans la perception des questions politiques au Cameroun. Est-ce qu'il a contribué ou pas? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a un espace dans lequel, l'espace public dans lequel nous évoluons, contribue à montrer qu'il peut y avoir des opinions différentes. Mais est-ce que nous, qui utilisons cet espace, favorisons l'expression de la démocratie? C'est une autre histoire. Et je pense qu'il a porté beaucoup de débats sur la place publique, des choses qui étaient tabous. C'est d'ailleurs sa spécialité, de démystifier les points tabous de notre société. Et ça fait en sorte que, avec le débat, on arrive à parler de ces choses-là et on arrive à se construire une sorte d'identité nationale ou une sorte un consensus national autour de ces sujets-là. Il a été utile, il n'y a pas de doute à cela. Vous savez, du moment qu'on participe au débat et du moment qu'on émet des idées et surtout qu'on est d'accord d'écouter les idées contraires et donc de participer à ces débats-là, c'est, on est très, très utile pour la société parce que ce n'est qu'autour de ce dialogue-là qu'on se construit. On ne se construit pas avec les immeubles et les routes et tout le reste. C'est quand la société tout entière accepte d'avoir des débats contradictoires, de respecter la position de l'autre, d'essayer de faire valoir la sienne et d'avancer de cette façon-là. Et donc je pense qu'il a eu beaucoup de succès à ce niveau. Ceux qui peuvent se réjouir du silence
désormais irréversible de Charles. Non, pas irréversible, parce que ses écrits et les souvenirs militent encore pour l'entendre. Mais ils ont tort, parce que c'est eux qui ont perdu devant Charles. Parce que Charles a dit des choses que cela les a dérangés. C'est une très bonne chose. Ils ont tort, puisqu'aujourd'hui, on continue l'opération Épervier. On voit encore des choses invraisemblables qu'on ne devait plus voir dans ce pays. Et de ce point de vue, Charles a été un interpellateur de conscience qui va rester éternel. Et ses écrits, qu'on soit d'accord ou pas, totalement ou partiellement, ses écrits le rendent immortel. Charles Atéba, il n'a été une lumière. Et on peut ne pas être d'accord sur certaines de ses positions. Au moins, c'était un éveilleur de conscience. C'est nous qui faisions l'événement en imposant les thèmes de débat même à nos adversaires. C'est une contribution incroyable, inestimable qu'il a apportée. Ceux qui sont habitués à la communication défensive, ils viennent expliquer parfois l'inexplicable. Charles anticipait sur les événements, même en prenant le risque de se tromper. C'était un combattant, un grand combattant. Vous savez, s'il était dans l'armée, il aurait certainement fini comme général. Charles existait. Et la preuve, sa présence était structurante parce qu'autour de lui, on s'exprimait, on était pour ou contre. Et c'est ça les grands hommes qui marquent le temps. Ils ne laissaient pas indifférents. Soulevaient les passions, parfois des haines, inutiles, parfois importantes. Et disaient au premier degré les choses qu'on peut aussi dire d'une autre façon. Mais c'était un sabra, comme on dit en hébreu. C'était un animal à la force de sa puissance et qui ne pouvait pas s'exprimer autrement. Il fallait donc que les aînés, qui jouent souvent les encadreurs, sans étouffer sa puissance, l'encadrent et l'aident à s'exprimer. Ils ne l'ont pas fait. C'est une défaite de notre mouvement. Une très grande défaite. Et y compris la mienne. Je vous le dis, le cœur pressé, j'aurais pu l'encadrer autrement. Alors le message que l'éthique et la morale se perpétuent. Il rêvait aussi, surtout, parce qu'il, sans propagande, hein, il était, comme moi, très attaché au président de la République. Parce qu'il estimait que Paul Biya n'a pas volé le pouvoir, il était contre les coups d'État, et il pensait qu'il fallait renforcer cette légitimité et transformer le Cameroun tel que Paul Biya le voyait dans le libéralisme, dans Paul le libéralisme communautaire. Mais il part amer parce que son souhait était de servir à côté de Paul Biya. Il voulait se vanter de cela, c'est-à-dire apporter la preuve que quand on est engagé, on peut effectivement être écouté par le chef. Pour récompenser. Oui. Il n'aimait pas le terme récompensé. Lorsque nous sommes entrés au comité central, il disait que je n'ai pas été récompensé, je viens travailler. Parce qu'il critiquait toujours le fait où je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à moi. Non, il disait, je remercie le chef de l'État de m'avoir associé à la prise de décision. Il voulait être utile pour une société qui gagne, pour un RDPC qui gagne, pour un Cameroun qui gagne. Il a été très choqué, effectivement, aussi de voir que partout, ce n'étaient plus les militants qui étaient promus. Ça aussi, c'est... Et d'ailleurs, il a publié un dernier ouvrage, mais qui est passé inaperçu. RDPC, la grande indiscipline. Je vous assure, c'était un génie. 3 mois après, le conseil de discipline du RDPC a été décrété par le président national du parti. Donc c'était un visionnaire. C'était un visionnaire. Il était convaincu qu'un jour, il y aurait des hommes qui vont au sein du palais s'élever contre le président. On l'a vu, des traîtres. Il les appelait des traîtres. Il était choqué aussi de voir que les militants n'étaient plus pris en compte dans la promotion des cadres dans l'administration. Si pour les conservateurs du RDPC, le parti au pouvoir, il dérangeait, en revanche, pour le petit peuple, les causes qu'il défendait étaient nobles et justes. Les causes qu'il défendait étaient fondées. Il a réveillé les consciences. Ses idées, ses œuvres, à travers ses expressions, même à travers ses ouvrages,
n'est-ce pas, bousculer les mentalités et toutes les intelligences, que ce soit du sommet jusqu'à la base. Charles Ateba Eyene faisait partie de ce qu'on pourrait appeler dans le jargon de l'agroalimentaire une denrée rare. Il nous a marqué tant ses points de vue, ses prises de position étaient pertinentes. Je retiens de lui l'image de quelqu'un qui a aimé son pays et qui peut-être n'était pas très bien compris. Non, il a été très utile pour le Cameroun. À travers d'abord ses œuvres. Un grand homme peut disparaître, mais ses œuvres restent. C'est comme Jésus. Quand Jésus était sur cette terre pour défendre vraiment la liberté, la cause de ça, Jésus a été tué. C'est exactement ce qui s'est passé à Ateba Eyene. Il voulait que la République aille tout droit, que les grands ne marchent pas sur les petits. Il a commis 2 thèses de doctorat, 28 ouvrages. Cela entre 0 et 42 ans, c'est impressionnant. Dans un pays sous-développé comme le nôtre. Et de par son origine familiale, il était le fils d'un homme très modeste. Les ouvrages qu'il a laissés, nous pouvons tirer des leçons dedans et ça peut aider à développer la jeunesse. Tout ce qu'il a eu à défendre, c'était juste pour la transformation du Cameroun, pour le développement du Cameroun. Donc toutes ces causes étaient juste très utiles pour le Cameroun. Tous les Camerounais savent qu'il a été grandement utile parce qu'il nous a ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects. À cause de quelqu'un comme Charles Ateba, je vais vous prendre cet exemple-là. Des chaînes de télévision et de radio, je ne vais pas les citer, ont commencé à être plus écoutées à cause de quelqu'un comme Charles Ateba Eyene. Charles Ateba Eyene défendait la jeunesse contre les sectes perverses. Mm-hmm. Et ça, c'était un point très positif que j'ai remarqué de lui. Il défendait la jeunesse contre l'homosexualité. Il est sensibilisé contre l'homosexualité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pris fait cause du débat politique parce que des gens comme lui sont passés par là. Il y a beaucoup qui aussi ont compris qu'on pouvait pas être d'accord avec le système et pas pour autant être tué ou perdre sa place au sein de la fonction publique. Il y a beaucoup surtout qui ont compris que c'était pas tout le pays qui était pourri, mais que c'était quelques-uns. Et donc, si beaucoup ne disaient pas, ne se plaignaient pas de la situation du Cameroun, c'était plus une majorité silencieuse qu'une majorité complice. Et donc, il a pour moi, il a eu le courage de faire partie ou de croire qu'il faisait partie du nœud même du système, du cœur du système, comme il appelait lui-même le pays organisateur. Et de dire que même jusque-là, ça ne va pas. Et je pense que ça a changé la façon dont beaucoup de Camerounais ont vu la gestion de notre pays. Il y a une tribu qui était systématiquement stigmatisée par rapport à ça. Et avec lui, on a compris que même à l'intérieur de cette tribu, il y a des gens qui souffrent comme le reste des Camerounais. Donc je pense que c'est des points très courageux qu'il a fait ressortir et qu'il a placé dans le débat public à travers ses ouvrages qui font en sorte que jusqu'aujourd'hui le débat continue même après sa mort. Je crois qu'il a fait un fondement religieux en lui, une foi vraiment chrétienne. Parce que vous ne pouvez pas vous lever chaque matin d'aller à l'encontre des injustices sociales, de tout ce qu'il a pu décrire. Vous savez, l'homme, il était cela pour les sans-voix et tout ça. Teba se représentait déjà comme un porte-parole de cela. Parce qu'il voulait vraiment que l'éthique soit quelque chose pour le commun des mortels que nous sommes, vraiment un baromètre exact. Ça lui a valu tout ce que ça a valu. Quand c'était le Charles, du moment où on est ensemble quelque part, il est soumis. Tu vois, que monsieur Charles, mais quand il va aux antennes pour parler, là, il a une autre posture de lion, je vous dis. Vous le reconnaissez plus. Donc, moi, je crois qu'il avait une noble mission. Il y a toujours parmi nous des Moïse, c'est-à-dire ceux qui portent le flambeau très haut, c'est-à-dire qui peuvent être à un moment donné l'espoir d'un peuple, qui parle au nom du peuple, qui soit un porte-parole du peuple pendant un bon. Quoi qu'il a dit, quoi qu'il est parti, il a fait sa mission. Il était quelqu'un qui avait la vérité au bout des lèvres. Il prêchait la vérité. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les Camerounais. Parce que le 21 novembre 2013, exactement, il a fait mail à un de ses amis. J'ai envie de croire que mon oncle savait qu'il allait mourir, une fois de plus.
Dans ce mail, il lui dit, je laisse des enfants, des neveux, certains sont déjà grands, et plus de 20 millions de Camerounais, parce que j'ai laissé, j'ai sacrifié ma vie pour eux, pour les Camerounais. Ils savaient que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour le bien des Camerounais. Assurément, Charles Ateba Eyene était un vrai patriote. Mais malheureusement pour lui, la mémoire et les lieux de mémoire ne sont pas célébrés au Cameroun. Les gens ne veulent pas inscrire dans le Panthéon le lieu où on célèbre les héros. Ils ne veulent pas. Et vous connaissez un Panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs? Du point de vue de l'analyse, il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. J'essaie de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loge, dans une société de secte, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur, eh bien, elle devient une valeur. On la célèbre. On l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher et nous coûtera encore cher. Parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde, c'est Platon qui l'a dit. Et Platon, c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repère, sans modèle? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir. Parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun, on s'est déjà même entendu sur ce que c'est que la valeur? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les fémans, les bandits, les incompétents parlent, le cri s'impose, c'est eux qu'on écoute. Ailleurs, ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-postes, parfois, ce n'est pas les meilleurs. C'est ça les réalités de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands fils du Cameroun et montrer que tous n'ont pas été que des détourneurs de fonds publics, des truands. Montrer que, en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Donc, il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Oui, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Non pas celle qui écrit l'histoire avec la gomme, mais la vraie. Celle qui reconnaît les Ruben Niobe, Ossenda Fana, Félix Moumier, André-Marie Mbida, Amadou Ayidjo et bien d'autres encore, parmi lesquels certainement Charles Ateba Eyene. Bonsoir.